Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter des tips, c'est-à-dire des astuces à utiliser avec Unity. Alors je pense que certains d'entre vous en connaîtront certainement, mais je suis aussi persuadé que vous en découvrirez dans cette vidéo. Donc n'hésitez pas à me le signaler et à me faire un petit remerciement en commentaire ou en ajoutant un gros pouce bleu. Alors j'utilise ici une scène, un asset complète des standards assets qui va me servir de support pour cette vidéo. Alors la première type, c'est parti, c'est la prévisualisation. Vous pouvez voir ici quand vous sélectionnez un modèle, vous aviez ici à droite souvent une prévisualisation. Saviez-vous, parce que c'est vrai que cette fenêtre est petite, que vous pouviez ici faire un clic droit sur cette barre et l'ouvrir en plein écran pour bien la voir. Alors ça marche évidemment avec tout, que ce soit ici une texture, un modèle, vous n'aurez pas de souci. Si je prends ici cette texture, vous pouvez voir que je peux me l'afficher en plein écran sans aucun souci. La prochaine astuce concerne l'Asset Store. Vous saviez certainement que depuis votre onglet projet, vous pouviez ici rechercher une chaîne de caractères et retrouver les objets dans votre projet. Saviez-vous que vous aviez aussi la possibilité de filtrer et notamment ici d'utiliser l'Asset Store? Si je clique ici sur Asset Store, on peut voir que j'ai ici les assets gratuites qui sortent et ici les assets payantes. Si je veux importer un modèle ou un objet en rapport avec ma recherche, je sélectionne, j'ai un aperçu ici en bas à droite que je peux de nouveau mettre en plein écran et vous avez la possibilité d'importer le package, vous avez des informations sur le package et vous pouvez ouvrir l'Asset Store, la page de l'Asset Store correspondante. Vous pouvez aussi effectuer cette opération en faisant un clic droit Show in Asset Store Windows. Vous pouvez voir que cette petite astuce peut vous faire gagner un temps très précieux lors de vos développements avec Unity. La prochaine astuce concerne de nouveau le champ de recherche, mais cette fois-ci pour votre onglet hiérarchie. Vous pouvez voir ici que j'ai une hiérarchie bien fournie en GameObject et j'ai la possibilité ici de rechercher un GameObject pour l'isoler. Mais saviez-vous que vous pouviez aussi rechercher un type de composant dans cette hiérarchie? Imaginons ici que je recherche un composant Animator. Si je tape Animator dans le champ de recherche, on peut voir que j'ai ici tous les GameObject qui possèdent un Animator, comme vous pouvez le voir ici à l'écran. Évidemment, si je tape Audio Source, je vais avoir maintenant tous les GameObject qui possèdent une audio source. Il faut savoir que vous pouvez aussi rechercher un script. Imaginons ici que je recherche un script qui s'appelle SpawnPoint. J'ai ici l'objet qui contient ce script qui s'appelle SpawnPoint1 et j'ai ici le script correspondant. La prochaine astuce concerne le positionnement de votre caméra. Alors, vous pouvez voir que si ma main caméra qui est ici affiche cette vue. Je voudrais maintenant déplacer cette caméra pour qu'elle voit, qu'elle filme par exemple ces trois bâtiments. Je vais pouvoir très facilement le faire ici avec mon outil de rotation dans ma scène. Maintenant, je voudrais que cette caméra prenne cette position. Je vais tout simplement sélectionner ma caméra, aller dans le menu Game Object et choisir ici Align with View. Je peux aussi le faire en utilisant la combinaison de tous, CTRL Shift plus F. Et là, vous pouvez voir que ma caméra a été déplacée ici sur la vue de ma scène, ce qui est parfait. On peut voir que son transform a été modifié. Imaginons maintenant que je me déplace et que je veux me repositionner en l'endroit ici au niveau de l'onglet scène où est ma caméra. Je peux de nouveau sélectionner ma caméra, utiliser de nouveau le menu Game Object et ici choisir Align View to Selected, ce qui va me permettre de repositionner ma caméra à l'endroit où elle est positionnée au niveau de mon Game View. La prochaine astuce concerne le déplacement de vos objets grâce au snapping. Lorsque vous sélectionnez un manipulateur et que vous enfoncez la touche CTRL sur PC ou commande sur Mac, vous allez pouvoir déplacer d'une unité à chaque fois votre objet sur n'importe quel axe. Vous allez pouvoir évidemment modifier cette valeur qui est d'une unité en allant dans le menu Edit et vous avez ici le Snap Setting. Vous pouvez voir que j'ai toutes les valeurs au niveau des mouvements X, Y et Z, du Scale et de la Rotation. Ce qui veut dire que je vais pouvoir aussi utiliser mon outil de rotation, enfoncer la touche CTRL et ici bouger à chaque fois, comme vous pouvez le voir, de la valeur réglée qui était de 0,5 au niveau du Scale. Alors autre chose aussi qui est très important, c'est que vous pouvez utiliser pour déplacer vos objets en appuyant sur la touche V en sélectionnant votre objet. Vous allez pouvoir prendre un vertice, donc un vertex, et le déplacer, comme vous pouvez le voir ici sur la scène, le coller à un autre vertex, comme par ici le coin ici, ou tout simplement ici ma base qui est au sol, ou le coller ici au bord de l'autre objet. Donc ça, c'est le vertex snapping en utilisant la touche V de votre clavier.
Lorsque vous voulez trouver de l'aide avec Unity, on a souvent le réflexe d'aller ouvrir le navigateur internet et d'aller sur le site de la documentation officielle d'Unity. Mais saviez-vous que vous pouvez directement au niveau d'un composant utiliser ici le petit livret avec le point d'interrogation, et si vous faites un clic dessus, vous ouvrez automatiquement la page internet correspondante à ce composant. Si vous faites cette même manipulation au niveau d'un script, vous allez retrouver la documentation officielle sur le MonobiAvio. Saviez-vous qu'il était possible dans un champ de type float d'effectuer des calculs directement? Imaginons ici que cet objet, je veux faire un calcul au niveau de la rotation. Ici on peut voir que j'ai 0 de rotation, donc je vais mettre 55, même si mon objet ici a une rotation qui n'est pas très intéressante. Mais je vais pouvoir ici effectuer des calculs, par exemple plus 5 que multiplie 3.14, et je pourrais encore diviser ça par 5. Si je fais entrée, vous pouvez voir déjà que mon objet lui a déjà opéré la rotation du calcul correspondant, et si je fais entrée, j'ai le calcul ici dans mon champ de rotation qui a été effectué. Évidemment, ça fonctionnera aussi pour les positions, le scale, tout ce qui est champ de type float. Vous allez pouvoir effectuer vos calculs directement à l'intérieur de ces champs. La prochaine astuce concerne les tableaux. Alors, j'ai créé un petit script ici que j'ai affecté à un GameObjectVid qui s'appelle Tableau, comme vous pouvez le voir. Et ce script, il est très simple, il possède une variable publique de type GameObject avec des crochets pour en faire un tableau, et il s'appelle Tableau de GameObject. Alors, imaginons ici que je veux positionner toutes les mines qui sont sur mon écran dans ce tableau de GameObject. Je vais ici mettre un size, donc là je vais mettre 10 pour l'exemple, je ne les ai pas comptées, et je vais devoir les glisser une par une à l'intérieur. Ça peut être assez laborieux et assez long. Alors, il existe une autre possibilité, c'est tout simplement ici de laisser le size à 0. Vous faites un lock ici de l'inspecteur, le petit cadenas, de manière à figer ici, quoi que je fasse l'inspecteur sur cet objet. Et là, on va sélectionner tous les mines et on va les glisser ici sur le tableau de GameObject. Et là, vous pouvez voir qu'automatiquement, elles ont été positionnées dans l'ordre ici qu'il y avait dans la hiérarchie. C'est quelque chose qui peut vous faire aussi gagner beaucoup de temps. La prochaine astuce concerne les empty. Alors, il est bien souvent pratique d'utiliser un empty qu'on peut renommer comme on veut, et on le positionne au niveau de la scène pour en faire un spawn point ou autre chose. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez la possibilité de lui ajouter ici une petite icône qui, par exemple, peut être vert. Vous avez la possibilité d'ajouter un icône plutôt sous forme de point ou sous forme ici de losange. Alors, est-ce que vous savez qu'il est aussi possible de cliquer ici sur le petit bouton Other et d'aller ici chercher un sprite qui fera office d'image? Imaginons ici que je prends ce sprite, on peut voir que j'ai bien ici à l'écran mon empty qui est matérialisé par un sprite. Et évidemment, si je vais dans l'onglet Game, on peut voir qu'il n'est pas visible, hormis ici si j'actionne les gizmos. Voilà, comme toutes les bonnes choses ont une fin, on est arrivé ici à la fin de cette vidéo, de cette présentation d'astuces. J'espère en tout cas que vous en aurez découvert grâce à ce tuto. Alors n'hésitez surtout pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo, à vous abonner si ce n'est déjà fait, de mettre un commentaire et notamment sur celle que vous ne connaissiez pas et qui vous semble bien utile. En tout cas, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.